Grâce éternelle, tout si même en pensant où Seigneur m'a pas arrivé à aller. Mais ma camarade, on dit grâce pour accompagner moi de Jimé en Galéa. Gloire à Dieu, nous allons saluer déjà la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, le monde entier, la métropole, le monde entier qui branche en l'air net. Nous allons un bel alléluia de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus vivant. Et vraiment, nous les bénis, tous les hommes de Dieu, toutes les princesses qui ont prêché l'évangile là, et surtout nous les bénis, Zouk Télévision, directeur Zouk Télévision, et tout le monde qui a travaillé, technicien, tout le monde qui a travaillé là-dedans, et les outils là, que bon Dieu permette que nous émettre en l'air, qui permette nous d'y passer, afin que la gloire de Dieu soit reflétée dans le monde entier, et puis nous attendons surtout des témoignages en retour. Des bails qui ont augmenté foi, nous qui fait nous savoir que le travail n'est pas en vain. Et je bénis mon Dieu, je dis tout le monde un bel alléluia, pasteur Digifon, pasteur Bernier, pasteur Rodrigue et tous les pasteurs de la Guadeloupe, un bel alléluia. Continuez à faire travail là dans l'île Jean, afin que nous ayons la bénédiction, et nous aussi nous fait nous aussi, afin que nous joignions nous pour travailler la fête et serviteur Robert, mon Dieu qui a béni, pasteur Johnson. Alléluia. Ah, mon carreau, je suis frappé fort aussi côté la Guadeloupe. Alors continuez. Tout travail là, c'est pour Papa nous, mais c'est pour l'œuvre de Dieu. Et pasteur Sino Bassin, prophète Subon. Un bel alléluia, un bel encouragement. L'année a fini pour nous vivre encouragés comme nous, parce que bon Dieu nous prend courage, pas pour oui. Pasteur Jean-Michel, nous gardons Tchébé, pasteur Lestra, continue à faire travail à côté de cette liste. Et nous gardons béni Madame Pasteur Xavier et Pasteur. Et puis pasteur Madame Xavier, nous gardons un bel alléluia. Tchébé, continuez. C'est dans la persévérance que nous avons le résultat. Et puis nous avons béni tout le monde qui branche les autres télévisions qui l'a regardé l'émission aujourd'hui. Nous avons resté bénis et surtout nous avons béni le temps du réveil. Nous avons béni la Martinique. Nous avons béni la famille. Nous avons béni la famille pasteur Login. On a béni toutes les familles de la Martinique parce que l'année a fini là, nous besoin d'être encouragés. Alléluia. Que bon Dieu a béni au bon matin. Hein? Que bon Dieu reste béni. Et que toute la gloire, bon Dieu a offert à nous au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Parce que le Jésus où? Alléluia. Donc, je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit à côté où il est. Bon Dieu est béni. Vraiment, Dieu te bénit. Dieu te fasse du bien. Et puis vraiment l'année a fini et puis l'autre année qui a commencé, mais tout c'est pour la gloire de Dieu. Alors je bénis bon Dieu pour tout le monde, toutes les familles de la terre, quel que soit là où tu es, vraiment que la grâce, la paix, la bénédiction de Dieu se répande et se multiplie sur vous au nom de Jésus-Christ. Bonne émission. Amen, alléluia. Et bon matin, nous allons commencer par le commencement. Nous commençons le commencement, nous les menons. Mais nous allons commencer par la bon Dieu dit il qu'a fait l'homme. Et bon matin, le titre de notre message, c'est que tu as été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, en nous allons dans le livre de la Genèse, premier verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Yes, alléluia, Seigneur, que
parole au bon matin, hein, que non seul soit béni, que la chaîne nous capte là, mais que c'est l'esprit qui a parlé bon matin. Alléluia. Alors bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors moi, je comprends que bon matin, hein, là où accepter le Seigneur Jésus, ou à l'image de Dieu. Amen. Et on y pour soigner l'image d'Allah. L'image d'Allah, on va pas mener ça de votre côté. La preuve en est, on va prendre Yishou, on va mettre Colin, on va regarder encore ce Yishou qui est là. On n'a pas besoin de dire que c'est Yishou qui a gardé, qui a oué, qui a mis la cassam. C'est Yishou parce que c'est logé en cassam. C'est Yishou en cassam. Yishou tout cassam nous. Mais comment Dieu a gardé comme ça, que tu as l'image de ton Père? À l'image de Dieu. Il faut que tu ailles à soigner cette image-là. Et pourquoi ils sont lignes? Parce que l'homme était Dieu, mais là, l'image où il est là, et puis il y a ressemblance où il est là. Ou quoi qu'il y a des visages là, ou quoi qu'il y a des visages où il n'y a pas, ou quoi qu'il y a un visage qui est plus racine, mais la fraîche, mais il est là. C'est ça. Ou quoi qu'il y a là, l'autre est là, l'homme est là, mais je ne suis pas là. Vous comprenez ça? Alors, bon Dieu, quand tu as ça, où tu as l'image de ton Père et à notre ressemblance. Alors, c'est pour ça, là où on est de nouveau, où ça a l'image de Dieu, pourquoi ressembler à l'être, ils abordent tout bien là. Et donc, à partir de ça, ou quoi ils dominent. Ils ont la domination, ils ont l'autorité, ils ont la réussite, ils ont le succès. Allez, tout bagaille de la terre, mon ami. Amen. C'est pourquoi, ou, et puis moi, c'est parce que nous, pour qu'on comprenne, pour nous soigner, image nous, pour nous savoir que nous avons l'image de Dieu, et puis à ressemblance de Dieu. Amen, amen. Et puis, regardez, le bon Dieu dit, il fait ça. Il bat nous la domination. Il bat nous l'autorité. Et puis, ou, et puis moi, nous, la flippé. Et puis, c'est pour ça que Jésus dit, celui qui a vu mon Père. Il m'a vu. Il m'a vu, hein. Alléluia. Celui qui a vu mon Père m'a vu. Amen. Vous comprenez ça? Et pourtant, le Père n'était pas encore là physiquement. Exactement. Il partait là physiquement. Hein? Mais Jésus a dit ça. Et où est-ce que moi qui l'ai redit hein? Nous, à la de verset 28 là. 28, toujours Genèse. Hein? Oui, oui. Donc, Dieu l'a béni et Dieu leur dit. Attends, ne parle trop vite. Hein? Dieu fait qui ça? Dieu l'a béni. Ou béni, je dis. Il faut que vous sachiez que vous béni, je dis. Il faut que vous sachiez que vous êtes béni, je dis. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Est-ce que vous savez que vous êtes féconds, je dis? On y l'a fécondité, dis donc. Multipliez. Ah, on y la multiplication. Amen. Remplissez la terre. On y le pouvoir. Et l'assujettissez. Ou peut assujettir. Et dominer sur les poissons de la mer. La domination. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et sur on y tout bagaille. Vous avez ni vous avez la béni. Vous avez la domination. Vous avez le pouvoir. Mon ami, mais pour qui ça ou là, je dis, ou léger en l'été, et parole là, c'est parce qu'on a douté du parole d'Allah. Parce que, ou que vous êtes allé, que vous êtes qui m'en est pour qui, je dis, ou pas ça pour parole bon Dieu, au mot, et puis mettez en pratique au mot aussi. Parce que ni en bas qui vini, il vini mener le doute. Ouais. Et regardez, Adam Ephésiens 1er, verset 3. Bon Dieu qu'a dit ou et puis moins comme ça nous qui a accepté Jésus. Gardez ça il a dit, gardez. Ephésiens 1er verset 3. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mon Père aussi. Amen. Qui nous a bénis. Il nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui bénit? Qui s'est recommandé, bon Dieu, béni encore? Ou a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ou et puis moi. Je dis assez réjouis pour nous réjouir quand nous. Prends possession, dit ça. Amen. Et puis la Dieu qu'on nous. Et puis marche à l'image de Dieu. Puis à sa ressemblance. Et puis, oh, pour moi, ou la qu'a douté. Ou la qu'a pleuré. Alléluia. Hein? Oui. Parce que bon Dieu dit à 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est la nouvelle créature, la créature que tu as l'image de ton Père, et c'est à la ressemblance de ton Père. Oui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées,
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, où ça vous dit ça? Là où les choses anciennes sont passées, eh bien, où pas tenir connaissance que où tu as l'image de Dieu, à l'image de ton Père, et ça a sa ressemblance. Et la nouvelle créature, c'est cette nouvelle créature qui a l'image de Dieu, qui a la ressemblance de Dieu, et qui a reçu toutes les sortes de bénédictions. Parce que bon Dieu allait au prix du péché jusqu'au prix pité et mener nous et allait crucifier le péché, crucifier la chair, c'est parce que c'est le désir, aller la croix. Et bien c'est pour ça, nous aussi, si nous prenons possession de là, nous allons ressembler Jésus, nous allons ressembler à l'image de notre Père, nous allons ressembler. Alors la nouvelle créature, c'est lui qui reçoit toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, puisque Jésus vit en toi, Jésus vit en moi par le Saint-Esprit. De Dieu. Alléluia. Si vous ne comprenez pas bon matin, ou quand vous venez dans l'autre monde, 2020, c'est la passation de l'ancien et de nouveau. Les choses anciennes sont passées. 2020 passé. 2021 passé. Et voici 2022, tu rentres en nouveauté de vie. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voilà dans Somme 8, verset 4 et puis 5. Somme 8. Oui. Oh, Dieu, je suis béni sur l'éternel. Il y a blessé et parlé, mais David te a dit. Ah bon Dieu, mais regardez ça. Gaza, monsieur, qu'a dit. Et puis Gaza, où dis-moi. Donc, Somme 8, verset combien? 4. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Ouvrage de tes mains, Seigneur. La lune et les étoiles que tu as créées. Oui. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme. Pour que tu prennes garde à lui. Ouais. Est-ce que c'est ça? Il a posé une question. Mais qu'est-ce? Dis mon Dieu, qui ça l'homme y est? Pourquoi souvenir de lui? Mais gardez ça, mon cadeau là. Bon Dieu, pas créé les anges à l'image lui ni à ressemblance. C'est ça. Bon Dieu, créé l'homme à l'image lui et puis à ressemblance. Amen. Alors, où sommes Michel Lucifer, c'était l'ange de lumière. Il est méchant là où que bon Dieu prend l'homme et puis bon Dieu prend l'homme pour jouer tout bonnement. Il dit, voilà, m'a créé à l'image moi. Là où est on a image et puis à ressemblance, c'est pas Ichou. Eh oui. Là, il casse un mou. C'est quand il vient Ichou. Et bon Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Eh bien, l'homme a accepté Jésus ou quoi venir à ressemblance et ou à l'image de Dieu. Alléluia. Et puis, tout nous a regardé là, verset 5. Verset 5. Et qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il dit verset radio aux anges. Ouais. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ouais. Tu lui as donné la domination. Sur les œuvres de tes mains. Ah, tu nous as donné la domination. Et tu as tout mis sous ses pieds. Ouais. Est-ce que ça fait? Qui ça on y? Qui ça je dis à un bail qui a venu à ta co, maladie qui a venu à ta co, angoisse qui a venu à ta co, problème foyer qui a venu à ta co. Bon Dieu, il mettait tout bail en bas pio et vous appelez les bas ça vous mettez les têtes où? C'est ça. L'homme vient mettre les deux ou les mettre un lit de Dieu. Et l'homme vient mettre un lit de Dieu car Dieu t'a en pensée. Et pourquoi venir quoi marcher comme un homme aigri, un homme qui parle l'image de Dieu, un homme qui va casser un bon Dieu. Un homme chargé, fatigué. Et pourtant, mon Dieu a déchargé, il a défatigué. Alléluia. Et puis, quand on dit, verset 7. Tu lui as donné la domination sous les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Ouais. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Amen. Dieu a accordé nous de telles bénédictions. Et puis nous en train d'essayer de comparer avec nous à un monde qui est dans le monde. Parce qu'il y a un gros lot, il y a un gros caillou. Vous pensez qu'il bien passé. Mais ça n'a pas vrai, il pas bien passé. Parce que vous avez l'image de Dieu. Le Saint-Esprit qui est dit donc,
Frère, ou à l'image de Dieu, ou à la ressemblance de Dieu, Munda a souffert là, et puis tout le matériel, et puis il est gris, et puis il y a deux, mais pas petit et tout, ça. C'est l'eau, ni la paix, bon Dieu, dis donc, ou allégé, ou allégé, ou en paix, ou qu'a fonctionné. Ou comprenez ça? Et puis, regardez, l'eau comprenez que, ou a un problème. Mais c'est où il faut comprendre que tout belle là, bon Dieu fait. Bon Dieu dit, l'or et l'argent est à moi, dit l'Éternel Dieu des armées. Bon Dieu pas ni crédit. Où est bon Dieu pas ni crédit? Et il va faire prêt. Alors, tout l'argent et puis l'or et c'est pas que mon. C'est pas riche, lui. Eh, si c'est pas riche, lui, frère. Alors, c'est pourquoi pas qu'il. Pas quitter mon faut comprendre rien, puisque c'est où il a vu ça, quoi, vivre, puis le Seigneur Jésus là. On va là dans Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour faire qu'il s'aille qu'à vous l'église là. Pour le cultiver et pour le garder. Ah bon, pour persévérer et puis rester là et puis quitter par là dans les dons pour la connaissance entre les dons. Alléluia. Hein? Et puis tu nous avais ces 17 là. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, la qualité de ta vie va changer. La qualité de ta vie va changer. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis, regardez l'attaque là. L'attaque là, c'est dans Genèse 3, verset 1. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Arrêtez là. Est-ce que Dieu a réellement dit? Mais oui. C'est là le doute entre pour passer à la Bible là. Et puis pourquoi dit comme ça? Mais mon caliment les Bible là, mon pas qu'à comprendre. Chaque fois mon pas Bible là, mon qu'à prendre sommeil. Mais non, c'est parce qu'on dit et diable là comme ça. Est-ce que Dieu a réellement dit? Si ou tirer le doute, tout ça qu'il dit en parole là, là est bien dit. Amen, amen. Parce qu'il dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Alors il vraiment dit vrai. C'est parole là qu'il a. Et parole là qui s'est encore, qu'on nous te cadeau dernièrement, la parole est près de toi, tout près de toi, tout près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Lorsque vous prenez la main et vous mettez un basio, il va venir quoi sonner parce qu'il y a la parole écrite et la parole parlée. Alléluia. Et lorsque vous faites parole la parler, frère, alors il y a un bouchou qui descend ni en cœur. Et lorsque descend ni en cœur, bon Dieu, quand vous gardez la parole dans le coffre fort que je t'ai donné, aujourd'hui tu ne peux pas garder le jardin d'Éden parce que le serpent est venu et a troublé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais moi, je ne vais pas te donner à garder le jardin d'Éden, je vais te donner à garder ton cœur. Amen, amen, amen. Garde ton cœur que plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de la vie et la santé pour tout le corps. Oui. Ou peut-être que ça regarde jardin. Jardin est trop dangereux. Bon, il y a trois pieds bois, des toutes bagailles. Ou que peut-être serré, qu'on a un pied bois d'abord, qu'on serré, pour diable parler. Bon, oui, est-ce que Dieu a réellement dit? Oui, Dieu a dit. C'est ça qui détermine, qu'a dit oui, Dieu a réellement dit. Ça qui peut déterminer, qu'a dit est-ce que Dieu a réellement dit. C'est pourquoi tu ne peux pas aller dans la Bible, parce que tu dis que tu ne comprends pas, tu ne comprends pas ça. Et bon Dieu, c'est pour ça, Ricardo, parlez ni à droite, ni à gauche. Ne tendez tout ni à droite, ni à gauche. Quittez les yeux fixés en les paroles là. Et c'est alors que tu réussiras. Josué. Et c'est alors que tu auras du succès. Vous comprenez ça? Hein? C'est une bataille qui est là. Et vous savez, est-ce que quand diable a dit EVP Adam, est-ce que Dieu a réellement dit, ça a commencé la bataille de la parole. La parole de Dieu contre la parole mensongère. Et c'est là que je dis à nomades en désagrément, pourquoi les prendre parole là? Pourquoi les prendre la parole de la victoire? La parole de la victoire, c'est la Bible. Pourquoi nous avons l'homme, nous avons parole de là? Lorsqu'on parle de parole de là,
tyran, l'ordi, toute calte bêtise. Tu fais de, tu vends la parole, tu fais ceci, tu fais cela. Yo te yo comme ça, mais c'est rien. C'est parce que est-ce Dieu a réellement dit? C'est ça. Alors, où qui a douté, je dis, pas vivre comme c'est 2022, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a dit. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Le ciel et la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous comprenez ça? Parce que vous savez que ça, pas quitter à la bataille parole là que la qualité de la vie a changé. Regardez ça, regardez de Josué. Oui, Josué premier. Josué premier. Verset 5-7. Et puis nous avons le dernier verset avec Matthieu 13 après. Josué 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ouais. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tant que tu. La nouvelle créature. Là où vient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici la parole qui vit en toi. Nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi parce que je vis en toi. Alléluia. Je ne te délaisserai point. Mon père, délaisse au frère. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi. Je te fais la promesse. Et est-ce que Dieu sera avec moi? Oui, il sera avec moi parce que je l'ai accepté comme Seigneur Sauveur personnel. Alors, arrêtez de douter pour lui. Est-ce que je lui ai déjà demandé quelque chose? Il m'a oublié, il m'a pas répondu. Il fait ceci. Non, c'est pourquoi l'épouse répond nous. C'est pourquoi l'épouse bon, ça dit là. Fortifie-toi et prends courage. Fortifier quoi? Ça veut dire point de force dans la parole. Et puis quitter force là, courage. Mais pas pour courir, non? Parce que n'y a de cadeau comme ça. Le fortifier quoi? Et puis pour courage, je vais fortifier quoi? Et puis pour courir. Vous comprenez? Pas pour courir. Fortifier quoi? Et puis prends courage. Et puis quoi? À nous? Oui. Alors, il dit, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession que j'ai juré à leur père de leur donner, fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est où qui a mis des familles en Christ? C'est où, et puis moi je dis, là où une parole l'a dit dans nous, nous qui a mis des familles en Christ. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement. Ouais. Selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Où est-ce allé, André Kadoussa? Pas détourner ni à droite ni à gauche. Est-ce qu'il a réellement dit? Oui, Dieu a réellement dit. Et Dieu te dit, quitter les yeux fixés les paroles. Là. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tout ça qu'on entreprend, de ne pas quitter le livre de la loi, sortir en bas, ou pas quitter la Bible, sortir en bas, ou pas quitter la parole, sortir en bas, pour qu'à confesser, dit bouchou, pour qu'à quitter un truc, et bien, tout ça qu'on a fait, on a réussi. Alléluia. Parce que c'est une promesse que bon Dieu même a fait. Et puis moi, il fait moi. Alors c'est pour ça, bon matin, si moi j'ai vivre ça, c'est moi venu porter message là pour vous dire comme ça. Frère moi, la vie belle, c'est l'eau restée puis la vie compliquée, la vie qui a venu compliquée. L'eau venu, l'eau est en tant qu'homme animal, je dis, et ça qui a venu compliqué. Mais si vous décidez de changer la vie, dit Seigneur, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, j'accepte Jésus. C'est pas compliqué. Et donc, ça, qui m'a accepté Jésus, c'est l'eau aller, dit Seigneur, me voici. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon esprit. Jésus qui a bon homo, l'on dit ça. Et l'on dit ça, on va dire, ben Seigneur, fais de moi ton serviteur ou bien ta servante. Me voici. Et pourquoi virer là dans Romains 10, verset 8, ou que virer l'Issa, ou que c'est là pour faire des marches, l'on fait des marches là, ou que ouais, bon Dieu qui a tout chaud. Et bien, nous allons là dans Matthieu 13, verset 4. Et puis, nous allons descendre jusqu'à verset 8, et puis nous allons finir. Matthieu 13, verset Romains 4. Ouais. Matthieu 13, verset 4. Oui. Un semeur sorti pour semer. Ouais, un semeur sorti pour semer. Voilà, ouais. Moi et puis Pasteur Logien, puis moi, nous sortis pour nous semer la parole, mon Dieu. Et c'est ça nous qu'a fait là. Mais c'est ça nous qu'a fait là. Un semeur sorti pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors là, ouais, parole là, s'y met. Et puis, est-ce que Dieu a réellement dit? Des mots, on va passer, on va acheter tout ça, on va aller, on va faire ça, on va dire.
rien ou pas ni rien ou tonne ni mais pas rien il peut tomber bien il tombe en zoéo mais il va descendre pièce côté exactement une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas encore beaucoup de terre. Ouais, les tombent à les côtés pierreux qui ça qu'a fait ou pas jamais des pieds bois capous dans les coins des trottoirs dans en l'encaille dans chez nous comme ça mais il va venir il peut faire un bel pied bois mais il va dire racine ni pas pièce côté. C'est ça. On va aller. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Mm. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mm-hmm. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée. Il brûlait aussi. Tout ça, c'est ou quoi qu'il était, le doute qu'il a. Est-ce que Dieu a réellement dit, eh bien, qui ça qui a fait? Les tombés là comme ça, ou quoi pour parole bon Dieu, ou t'en ni, mais ou les mettez à la fête. Et je dis à mon père aller mais demain ah ouais mien fait pas là mon préfère aller de fête ça là ou quoi ben ou quoi dans ces bougalous. Alors mais quand le soleil parut elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Ouais. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Les tombés dans le sol là, c'est les tombés en Kéo. Ou quoi ça? À l'état là, ou quoi livrer Kéo à Jésus? Et l'on livrer Kéo à bon Dieu. Eh bien, ou ça, quoi ça? Toute bagaille là, l'on livrer Kéo à Jésus, parole là, qui a commencé à venir esprit et vie. Sans la vie qui est en train de dire donc. Ou quoi, et là où et regardez, là où esclave, il tombe à d'un pied, ou il tombe à sous côté, des mon capacité, il a cherché ça, il a ramassé ça, tout ce bon sang, ça veut dire qu'on sortit l'église, ou tant de paroles là, l'on sortit la porte là, des mon rapport sans parole, il a parti, ou ça a d'un doute, ou comprenant, et malgré qu'on participe à l'église, mais qui est où? C'est ça. Mais est-ce que tu es livré à Jésus? Voilà. Est-ce que tu es bien disposé aux paroles là? Pas quitter ça, non, il faut que tu es bien disposé, livré à Jésus, à mon Dieu. Et où tu as sous verset, nous parlons là de verset 8 là. Verset 8, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Où tu ça? Là, il tombe dans la bonne terre, et puis en partie 60, en partie 100. Vous comprenez ça? Là, on est de nouveau. On peut s'immer les paroles là. On peut mener les gens vers la repentance. 60 par là, 100 par là, 80 par là. Dans des évangélisations, on peut aller tout le monde ou passer en côté, ou à la ressemblance de Dieu, puis à l'image de Dieu. Alors tout le monde ou parle, on est en supermarché, à 3 par là, 4 par là, 10 par là, 60 par là, 80 par là. Misez la bouche qui a pour plaisir. Il y a nos explications là, verset 18. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Mais oui. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persévérance, de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, il la comprend et il porte du fruit. Un grain donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Ce Alléluia. Matin, tout simplement, je te dis, regarde la qualité de ta vie. Regarde la qualité de ta vie. Ne laisse pas quelqu'un de te regarder. Pour toi, regarde la qualité de ta vie ce matin. Et puis, fais un bilan. Nous, elle a fait l'année, elle a fait bilan la vie. Regarde la qualité de la vie. Regarde, on ne peut pas regarder. Bon. Regarde la qualité de la vie. Et puis, fais bilan. Hein, et puis, où ça va? Parlez, bon Dieu. Parlez au Seigneur Jésus. Ouais.
parler, crier à Dieu. Ce matin, je t'invite à crier à Dieu. Parle à Jésus, parle à Dieu, crie à Dieu, mon ami. Dieu a réellement dit, il Amen. Veut que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Tout ça, au quand entreprendre, bon Dieu dit, il est la réussite tout. Alors, mon ami, regarde la qualité de ta vie et crie au Seigneur Jésus. Mm-hmm. Il te dit, celui qui invoquera, son nom sera sauvé. Alléluia. Celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Invoque le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse ce matin. C'est vrai, parce que, comme tu dis depuis le début, nous sommes à l'image et la ressemblance de Jésus. Et il faut prendre soin de l'image de Dieu. Ça veut dire que non seulement nous rassembler en apparence, mais aussi en caractère. Ouais. Pour nous, ni caractère Jésus, avoir l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'esprit. Ouais. C'est ça, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu, eh bien, comment on est un monde qui voit nous vraiment à l'image, à la ressemblance de Jésus? C'est lorsqu'on dégage le caractère de Jésus. Ouais. Ça veut dire que c'est l'amour qui a dégagé de nous. Mmh. C'est la joie, c'est la paix. Et dernièrement, nous avons dit religion, nous, c'est l'amour. Mais oui, l'amour, la sainteté, c'est ça, la pureté. Ça veut dire que tout ça, bon Dieu, ni, et tout ça, bon Dieu, y est, nous, pour dégager. Oui. Pourquoi? Parce que c'est papa nous. Ouais. Donc, la Bible dit nous, tel père, tel fils. L'œil de regardé Jésus, Jésus qui est celui qui m'a vu, a vu le père. Ça veut dire que l'œil, nous, l'homme, regardez nous, l'homme, écoutez nous. Eh bien, il y a pour ouais bon Dieu en la vie nous. Il y a pour caractère bon Dieu. Ça veut dire que les cadeaux, pasteur, les autant nous, c'est l'amour bon Dieu pour dégager. C'est compassion, c'est amour, c'est la joie. Donc tout ça bon Dieu ni, eh bien pour manifester aussi en dit dans la vie nous. C'est ça. C'est pas pour dire que ok c'est un bon Dieu puis quitter babou pousser puis quoi dire c'est ça ou quoi c'est un bon Dieu puis marcher puis en web et puis tout partout et puis dire qu'on est un Jésus, c'est pas ça, mais c'est caractère bon Dieu, c'est ça. C'est faut que les enfants de Dieu l'année a fini, si par exemple pendant l'année 2021 de cas sommes l'autre monde de cas sommes des diables ou de cas sommes les méchants, mais t'es arrivé pour somme Jésus. Alléluia. T'es arrivé pour marcher en nouveauté de vie, pour finir l'année à bien, pour demander bon Dieu pardon aussi pour toute erreur que nous commettons. Oui, voilà, c'est ça, c'est le moment aussi de se repentir, demander à Dieu pardon pour les erreurs que tu as commises en 2021 pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et puis finir l'année à bien, finir l'année en beauté. C'est ça, mon bagage de finir l'année à, même si mon capable dit la fête, faites ceci, faites cela. Mais le plus important, c'est de finir l'année avec Jésus. Amen. Et de commencer l'année 2022 avec Jésus. C'est ça. Si tu n'as pas connu Jésus en 2021, le temps est venu pour toi de le connaître. Et quand tu connais Jésus, le accepter, le recevoir, le quitter par là en train de dire tchao, eh bien, par là, quand il fait un travail, quand il fait un travail en disant, il peut transformer le caractère. Voilà, il peut permettre de dire, si vous ne pouvez pas arriver à pardonner en 2021, eh bien, vous mettez l'amour en disant tchao pour être capable de pardonner. Si vous ne pouvez pas arriver à aimer, tu n'as pas arrivé à aimer en 2021, eh bien, Dieu va mettre l'amour dans ton cœur pour que tu puisses aimer. Si tu n'étais pas patient, si tu n'avais pas de douceur, d'humilité, eh bien, viens à Jésus. Invoque le nom de Jésus. Laisse Jésus entrer dans ta vie afin qu'il puisse mettre tout ça en toi. Alors, ne laisse pas vraiment tout ce qui est du malin dans ta vie, tout ce que tu as reçu en 2021 et qui vient du malin. Ne laisse pas ces choses-là demeurer en toi. Décharge-toi de tous ces fardeaux-là et puis accepte Jésus. Reçois Jésus. Finis l'année avec Jésus. Voilà, c'est ça le plus important. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc c'est Jésus, Jésus-Christ, il est venu, il est né, il a grandi, il a vécu sur la terre, il est ressuscité. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Donc Jésus-Christ, maintenant, il est glorieux, il est tout-puissant. Il attend tout simplement que tu puisses l'appeler, que tu puisses l'invoquer, que tu puisses le recevoir afin que tu puisses le ressembler. Pastor Alain. Mais nous, c'est une période de fête. Oui. Et mais je vais quitter le livre de Luc 2, bon, tout chapitre là, lis ça pour que comprendre que dans fête là, nous y a, c'est une fête que nous avons fêté et tout le monde a crié la Noël dans le monde entier.
nous avons fêté la venue de Jésus. Mais vous savez, quel que soit la manière dont vous fêté là, vous avez fait bon Dieu gloire quand même. Mais je les dis en bagaille, frère, mais en l'air, il faut que vous fêté dans la vérité. C'est vrai. Dans la vérité, et pour que vous fêté dans la vérité, vous avez lu le livre de Luc 2. De, voilà. Et pour que vous compreniez que je dis, il y a ni des bagailles pour supprimer. Parce que si vous avez fêté la Noël, et puis. Et ou quoi dit c'est la venue de Jésus. Quoi de Jésus. Jésus qui a dit que et bon Dieu même qui a dit un fils nous est donné. Voilà. Un fils nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, voilà. Père éternel. Voilà. Et puis ou quoi actuellement l'a gardé ça et pour pas ni connaissance ou quoi là ou quoi pour un cochon ou mettre devant Jésus Christ. Oui. Ou quoi mettre boudin ou quoi mettre sang. Ou quand même, tout le monde interdit. Ça, c'est vraiment ce message qui nous finit par cette année. Ou quand même, bon Dieu à la fête, sans savoir. Parce que le plus important, pasteur, ce n'est pas fêter Jésus, mais c'est recevoir Jésus. Et c'est ça. C'est ça. Le plus important, ce n'est pas de fêter Jésus. Mais le plus important, c'est même si tu as fêté Jésus, mais est-ce que tu l'as reçu? Oui. Est-ce que tu as reçu Jésus dans ta vie, dans ton cœur? Jésus n'a pas commandé de nous fêter, il a commandé de nous recevoir. À tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on devient enfant de Dieu en recevant Jésus et pas en fêtant Jésus. Alléluia. C'est en recevant Jésus qu'on devient enfant de Dieu. Révélation. Voilà, voilà. Et c'est en recevant Jésus dans ton cœur, dans ta vie, que tu deviens enfant de Dieu. Et quand tu reçois Jésus, tu deviens enfant de Dieu. À ce moment-là, tu pourras lui ressembler. Donc, amen. C'est ça. Amen. Donc, pas oublier ça, nous dit aujourd'hui. Ah, c'est en recevant Jésus que vous venez enfant de Dieu. C'est pas en fêtant Jésus. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, nous étions 2 minutes. Donc, c'est ça. Eh bien, nous savons que ça, nous cadeaux dimanche matin. Au cas où tu es au temps du réveil, ça a trouvé que Rivière Blanche, à côté pont Rivière Blanche, hein, là où il va sous doué, tu regardes qu'on y a un grand bâtiment jeune qui n'y a pas de panneau, là, il le temps du réveil. On ne peut pas tromper quoi. Tu prends la route du Gaumon, quand tu arrives dans le rond, prends une chocolat, la route du Gaumon, et tu vas voir 2 kilomètres à peu près, tu vas voir le pont de Rivière Blanche, on est sur la droite. Que Dieu te bénisse, et puis maintenant, mon époux, pas venir au sel, maintenant, mon époux, un monde qui décourage, un monde qui n'a pas fini, un manier. Pour que le monde soit là, il que ça vous de témoignage, parce que Jésus dit, celui qui m'a reçu, il a trouvé la vie. Alléluia. Il a retrouvé la vie. Et il dit que, bon, Dieu dit, là où il s'ouvre, il a dans 2e épître de Jean, 2 verset 2, il dit, je veux que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bon, Dieu le dit, dans Exode 15 verset 26, il dit, je suis l'éternel, ton Dieu qui te guérit, et je ne te frapperai d'aucune maladie que j'ai frappé les Égyptiens. Bon, Dieu, aïe, que bon Dieu rabais nous, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, Guadeloupe, Martinique, Guyane, bon Dieu rabais nous. C'était le temps du réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ éclairera. Alléluia, parce que. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Grâce éternelle. Grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier vers l'éternel. Pas gentil, moi dans la Bani pas fonce et tout j'y me qu'aime pas son moi pas rivet.